La Codie, je connais depuis fort longtemps. Je pense être à même de raconter son histoire. Elle est à l'origine de la ville. C'est un lien important à l'intérieur de notre propre territoire, mais aussi un lien avec les territoires qui nous entourent. La rivière, si on prend son temps, c'est magnifique. Autour de Dinan, qui est évidemment une des très belles villes de France, s'agglomère un ensemble d'autres communes qui ont toutes quelque chose à proposer. Autour de ce concept de Vallée de la Rance, on a créé la Maison de la Rance. C'est une réalisation vraiment de belle qualité et qui sait valoriser notre territoire. Quelque chose qui a été fait par la Codie, qui n'était pas spectaculaire, mais qui a été étonnamment efficace, c'est tout simplement l'installation, l'équipement dans toutes les communes de l'eau et de l'assainissement. Ça a permis le développement des zones d'habitation dans toutes les communes. Donc l'arrivée d'une population nouvelle, l'arrivée d'entreprises nouvelles. Ça a été le fer de lance de la Codie. Et nous avons à Tadin une remarquable usine de traitement et de valorisation des déchets avec production d'électricité. Alors ça, c'est une grande réussite pour environ 300 000 habitants. Une des toutes premières réalisations, ça a été une grande salle omnisports et une magnifique piscine. Animés par des agents compétents, nous avons des réalisations qui sont au-dessus de ce qu'aurait pu faire individuellement chacune des communes. Aujourd'hui, nous avons une programmation culturelle tout à fait remarquable qui est regardée par les grandes villes qui nous entourent. On fait jeu égal avec elles et j'en suis fier. Pendant des années, la demande des jeunes était « Monsieur le maire, vous n'offrez pas aux jeunes une offre musicale contemporaine ». La Codie l'a prise à son compte et honnêtement, c'est une grande réussite. Nous étions 8 et nous étions district urbain de Dinan. Nous sommes 18. Et nous sommes communauté de communes de Dinan. Bientôt, nous allons être 26 et nous serons Dinan communauté. Que l'histoire se poursuive et qu'elle soit tout aussi belle.